Bonjour chers amis, je m'appelle Massimiliano Vivian Rossini. Je suis le partenaire national de Sola Group au Pérou et en Équateur. Et j'aimerais donner quelques conseils à tous les partenaires. Je tiens à souligner que nous avons des bases importantes nous permettant de développer des structures solides. Tout d'abord, pour attirer les investisseurs, il faut avoir des connaissances sur notre produit. Nous devons savoir ce que nous vendons. Pour développer nos connaissances, nous avons à notre disposition un outil indispensable qui est le back-office, qui nous fournit beaucoup d'informations concernant les aspects techniques et l'histoire de notre entreprise, ainsi que les détails des packs d'investissement pour les nouveaux partenaires. Il y a un point fondamental. Nous devons personnaliser les informations pour nos investisseurs. Vous ne devriez pas travailler juste pour votre bénéfice personnel et pour une commission à gagner. Le partenaire et le futur investisseur doivent recevoir une offre intéressante et abordable. Je vais vous donner un exemple pratique d'ailleurs. Une personne qui connaît déjà notre projet peut ne pas avoir assez de fonds pour acheter un pack. Par conséquent, nous allons présenter à ce client le plan de marketing de Sola Group. C'est-à-dire, nous lui offrirons une possibilité de gagner de l'argent sans investir dans le projet. Cependant, dans le cas où j'ai devant moi un investisseur avec des capacités financières moyennes, je ne vais pas lui offrir un pack d'investissement de 10 000 $, mais je vais lui faire une offre abordable pour lui. C'est pourquoi nous avons besoin de maturité et de connaissances pour pouvoir déterminer les capacités d'investissement potentielles d'une personne. Un autre point important est la corrélation. Chez Sola Group et Sovelmash, nous faisons partie d'un projet axé sur le bien-être de la planète. Cela signifie que nos produits ne polluent pas l'environnement. Chaque jour, ce projet sera de plus en plus inscrit dans l'actualité environnementale. Par conséquent, si, en tant que conseiller en investissement, je propose à un partenaire d'investir dans Sola Group et Sovelmash et simultanément dans des projets développant des produits hydrocarbonés, je casse la logique et le problème se pose. La loyauté et le respect sont également importants. Nous travaillons avec une base de données où nous avons accès à des données personnelles à différents niveaux de la structure. Et nous ne devrions pas utiliser les données de la profondeur de notre structure que l'autre personne a recueillies grâce à son travail et à son temps. Tout doit être loyal. L'un des points forts de Sola Group et de Sovelmash est que notre offre n'est pas spéculative et les partenaires doivent le savoir d'ailleurs. Cela signifie qu'il s'agit d'un produit réel, de vraies personnes, et d'une véritable entreprise en développement depuis 1995, qui a ses propres brevets et dans laquelle les efforts et les investissements de l'ingénieur Douyunov ont été placés. La société s'est formée grâce à un travail dur. D'ici 2023, nous aurons terminé la construction du centre technologique. Et d'ici 2025, nous commencerons à verser des dividendes. Bien sûr, cela demande de la patience, car de vraies offres et de vrais investissements prennent toujours du temps pour commencer à donner du bénéfice. L'arbre ne porte pas de fruits rapidement. Cela prend du temps. L'enfant ne devient pas adulte immédiatement. Cela prend des années. Tout prend du temps lorsque nous parlons de quelque chose de réel, pas d'abstrait. Voici les conseils que je voulais donner aux participants au projet. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous salue de Lima, du Pérou.
Je vous rappelle que je suis Massimiliano Viviane Rossini. Vous pouvez toujours m'appeler. Et si je peux vous aider dans vos activités, je le ferai avec plaisir. Au revoir.